Ça va toi? Yes. Moi aussi. En route. C'est ton ami qui conduit, c'est pour lui faire plaisir ou c'est parce que tu comptes boire jusqu'à ce que tu meurs? Non. Si tu veux me faire vivre, c'est quoi là, la bourgeoisie non performante là, c'est comme... Ça fait, non? Non, j'aime ça me faire conduire. J'aime bien ça. Puis en même temps, quand je vais avoir quelque part, ce qu'il faut tu que... Tu filmes-tu là? Il aime ouais, ça se faire conduire. En ce moment, Nick, il se dit, je suis payé pour écouter ça. Lui, il est payé, pas moi? Effectivement. Pourtant, je suis dans le même char. Ouais, mais je fais la job la plus ingrate. Ah oui, avoir une caméra, c'est ingrat, ça. Non, quand non, c'est pas... c'est ton rêve d'être vidéographe, tu penses que c'est ingrat faire ce que t'aimes? La femme ta gueule, là. Tu sais, quand il t'a dit, c'est moi le fondateur de Trollman Inspirant, t'aimerais-tu que ce soit lui qui gère toute la business? Le côté dictature, je te confirme que je suis pas mal plus sweet. T'es pas sweet, t'es manipulateur, t'arrives à tes fins avec le moins de mots possible. Tandis que moi, je dis la vérité crue à tout le monde, tel un tartare bien assaisonné. Alors, t'es plus bonne? Non, c'est parce que quand t'apportes pas pendant 2-3 jours, elle arrête de fonctionner, parce qu'il n'y a pas de batterie, ça. Tabarnak, c'est inclus dans le prix. Ouais, exact. Rolex font ça de même, t'as pas de batterie. Hey, ça paraît que c'est pour les riches, hein? Faut que t'aies le temps de les remettre à l'heure. C'est pas un employé typique qui aurait le temps. T'sais, avec l'ouvrage, les enfants, les collations, le soccer. Bon spectacle, Charles, bon spectacle. Bonjour à tous, ici Scandale Academy, en direct pour avoir des témoins, parce que c'est scandaleux, oui, ce qu'on va dire, mais tout un contexte, puis on voudrait vous l'expliquer à vous autres, pour que dans les commentaires, s'il y a quelqu'un embarqué, ça serait vous autres les premiers à partir de la vague, c'était pas si pire que ça, il y avait un contexte. C'est plus qu'à vous contrôler, c'est Scandale Academy. Scandale Academy. On veut faire de vous des scandaleux. La tour qu'il y a là, c'est là que les connaisseurs de l'humour. Ah ouais? C'est là que j'ai fait mes... 3-4 cours de soir. Bon, mais c'est en soir que tu vas prouver que t'en as juste fait 3-4. Tu sais, le pire, c'est que moi, je me dis, ça serait pas dans rien qui chauffe. Faut que je puisse me reposer. ça. Attention, il y a un cycliste. Si c'est déjà ce que tu le rends? Non, je sais même pas ce qu'il pense. C'est quoi ton retard de bœuf? C'est du bœuf cru. Bon. Bon? Ouais, c'est bon. Ok, on va prendre ça. Et toi, on va prendre le tartare de bœuf. Ouais, on va faire ça. On va manger parce qu'on va prendre une petite marche sur un jet. Acheter des loulous. Ouais, parce que je me sens pas dedans, je me sens fatigué. Je comprends que c'est épuisant, hein? Être bronzé, se mettre des belles chemises, se mettre des plombs pour acheter. Tu sais, juste que t'as pris du temps. C'était ça, hein? Ah, ben vous savez, hein, tu sais, des fois pour arrondir les fins de mois, on fait des petits événements comme ça, 40 pièces chaque 80 personnes. Tu sais, j'avais eu un trip de millionnaire, c'est pas gratis. Il faut payer tous les bateaux, il faut payer les avions, tout. Il faut qu'on arrive avec part. On fait pas d'argent pour ça. Merci. Ça fait pas plaisir. Ok, là. Ouais, c'est ça. Petite protéine. Ouais, ouais. Bien content. Tu sais, expérience, ça va être cool. Anyway, tout ce que tu fais la première fois, c'est le temps de la marde. On peut. Fait qu'on n'a pas une énorme attente. Ça sera pas de la marde. Mais juste que, pas grave, c'est pas wow. Là, deuxième, troisième, quatrième année, t'es rendu à 15, 20, tu fais. T'es rendu rodé, là. Tu as filmé sortir de tout là? Ben oui. Pour présenter. Voici Charles Côté qui sort de la salle de bain. Vous pouvez fermer, c'est où vous allez rentrer? Hein? Le boutique. Ouais, c'est ça, mais c'est pas où on passe. Escalier. Et parfait. Oh, le salut, mesdames et messieurs, Charles Côté. Tu as pas emmené un petit souk, là? Hein? Tu as pas emmené un souk? Es-tu malade? J'espère. Mais t'es intelligent, c'était bien entre le tour. C'était trop chaud, mon homme. Ça va? Hey, c'est parfait comme setup. Julien, enchanté. Nicolas. Nicolas. Salut, Charles-André. Julien, enchanté. Enchanté. Moi, je nous ai mis. Hey, c'est super intime, hein? Je veux juste voir si la salle a de l'importance. L'importance. T'es bourré! Et hey, ça paraît que tu fais rien de ton état, t'es bronzé. Quand t'es vraiment riche, je t'aime. C'est ça. T'es pas encore rendu là. On réchauffe la. Hey, mais c'est parfait. Ouais, je suis content, la salle, ça va être cool, c'est vraiment intime. Là. Ouais, mais va t'asseoir dans la salle pour voir. C'est quand même. C'est nice, mais c'est parce que tes prochains cas du monde. C'est ça. Et genre de voir pour eux, man, c'est comme. Ah, mais c'est. On est proche, là. Terminal puis bordel, c'est ça, là. C'est les chaises les plus collées possibles. Si tu veux sortir pour aller pisser, faut vraiment que t'aies envie de pisser. Ouais, c'est ça. Après, nous autres, on va mettre un 15. Un 15 de buffer, sinon on va aller pisser. Parce que ben, tu oui. Peux pas te déplacer, là, si t'es assis à l'heure.
Humour, podcast, pause, humour, podcast. Ok, il y a encore un humour. Ouais, close out. C'est-tu deux fois le même ou? Ouais, c'est deux fois Alex. Nice. Bon format! Là, faut juste briefer le sujet, mettons, tu veux partir avec quoi pour avoir l'argent? Ben moi, je peux parler du plus 100, moins 100 où je me suis fait ramasser sur... Ok, parfait. Maintenant, je vais t'ouvrir là-dessus. Ouais, ouais, bien. Je vais hype la montre. Est-ce que ça va tendre à parler d'argent? Bravo, ça va bien, c'est cool. C'est une première. Ça, ça bon. Vraiment, vraiment bon. Ouais, c'était vraiment fun. Je pense qu'au début, Charles prenait beaucoup plus de place. Ouais. Puis après, ça s'est vraiment bien réajusté. C'est correct, vous, tu sais, c'est la première fois. Vous avez Charles, tu as plus le temps de le recevoir. Ouais, mais c'est ça moi qui ai commencé. C'est moi qui ai lancé la première balle. Ah, j'avais senti aussi, mais après, ça s'est comme rétabli. Ouais. Super naturellement. Ok, mais si c'est ça ton âme, j'aille pas rire. Oui, mais à un moment donné, la relation avec l'argent. Tu sais, l'argent n'égale pas le bonheur, comme ça, c'est clair, que c'est vraiment facile à te gérer dessus. Je vais l'ouvrir celle-là. Là, je vais te filer dans la salle. Vas-y, vas-y. Je pense que ce sujet-là est plus facile à vendre non-stop. Parce qu'il y a de l'argent, tu parles à la popularité, à la pourquoi le monde veut être populaire, de quelle façon ils veulent être populaires pour faire de l'argent, pour faire quoi finalement? Ouais! Êtes-vous prêts? Ouais! Donnez tout ce qui vous reste, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissement pour mes deux candidats, Julien Roux et Charles Côté! Yes! Yes! Félicitations, mon gars. On se colle demain, on se colle demain. Ouais, demain, c'est pas choisir. Ça calme tout. On est-tu chez nous? On te demande une photo. Non, 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 non. Non, c'est vous, il va une belle photo. Mets-toi sur la pointe des pieds. Parfait. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à vous autres, je vais aller te reposer. Prochain podcast, tu le feras sur comment tu t'évites des foules. Comment tu l'as trouvé le deuxième? Ah, je suis content, c'était beaucoup plus sérieux. Mais on est allé creuser en quelque chose que je pense qu'à l'audio, le monde va vraiment aimer. C'était moins pep que le premier, qu'on s'est niaisé puis tout. Mais il y avait des belles pépites d'or. Ce qu'on a dit par rapport à l'argent puis tout ça, c'était vrai, c'était bon. On n'était pas dans de la vantardise. Ouais. On était pas dans nous autres, on a réussi à écouter ce qu'on dit. On était contents, mais moi je suis éternel insatisfait. Fait que je sors de n'importe quoi, je suis comme j'ai pas fait ça. C'est sûr que le monde a passé un bon moment. Oui. Ben oui, ben. Le monde a l'air d'avoir aimé ça. Les squeegees, là. Lavez pas mon char, t'as dans le mec. Je viens de le faire laver. C'est ça. Il sort du car wash. Va te tuer. Non, non, on veut pas se faire tuer, on sort du car wash. Va te tuer, ben lave-le le windshield tant qu'à mourir. C'est ça. Graffing-le avec le sable que l'homme qui arrive en arrière, il y avait dedans.